N'a pas vu la presse parler, écrit et télévisé à grand ligne qui là. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous matin pour nous rencontrer la presse et dans cadre clôture campagne sensibilisation qui t'a faite sur réseaux sociaux. Donc j'ai que nous te connaître parce que depuis là nous qui était là dans le lancement. Donc campagne sensibilisation ça il était commencé le 15 décembre 2020. Donc à partir de 15 décembre pour jusqu'à 30 décembre. Donc c'était 15 jours de mobilisation, 15 jours de plaidoyer, 15 jours de sensibilisation. Côté que chaque jour nous était partagé entre 6 à 7 flyers sur réseaux sociaux. Au commencement nous avons commencé avec 5 flyers nous avons partagé chaque jour, mais par rapport avec un engouement mounio parce que c'est chaque jour n'a jeune de monde qui a dit ah ajoutez-moi dans campagne là, ajoutez-moi. Donc ça vient faire que nous avons tout un panoplie, tout un pléiade de monde, que ce soit de professionnels, que ce soit d'étudiants, des écoliers, et des entrepreneurs. Donc tout le monde est vraiment embrassé comme ça. Donc c'est ça qui fait que campagne ça nous capable de dire les sont réussis total. Donc campagne ça a été déroulé en bas un thème. Donc vous êtes capable de hashtag là qui c'est en respecter droit mon studio. Parce que nous estimons que mon studio doit vraiment violer dans la société. Hein? Yo pas gain accès avec un ensemble de services sociaux de base, que ce soit l'école, que ce soit travail, que ce soit soins de santé, et loisirs, etc., etc. Et c'est ça qui fait que dans le message que nous partageons, tu as tout genre de revendications. Tu as des gens qui parlent sur la question de l'éducation. Il y a des gens qui t'ont parlé sur la question de loisirs, des gens qui t'ont parlé sur la question de travail. Well, donc, c'est un ensemble de revendications qui t'ont gagné par rapport avec la campagne de sensibilisation. Ça. Donc, j'aime dire, tu as tout genre de monde là-dedans, tu as des professionnels, nous avons des directeurs généraux, nous avons des écoliers, nous avons des gens qui sont commerçants, marchands, etc. Donc, c'est tout le monde. Qui était ou est nécessité justement de des journalistes tout ouais qui était participé dans campagne là et en pile monde jusqu'à présent nous avons des flyers là et que nous pas de temps publié parce que c'est du 15 et du 15 jusqu'au 30 donc c'est 15 jours vraiment de mobilisation. Peut-être l'autre flyer ça nous va l'utiliser à d'autres fins, nous va l'utiliser pour continuer mobilisation hein. Donc nous pensons qu'il était très intéressant parce que pendant que nous avons fini l'année, donc nous disons qu'on nous lance la campagne. Donc, deuxième raison qui fait nous la matin, c'est pour nous capables de dresser un petit bilan sur la question de droit soude en Haïti. Mes amis, il n'y a pas un secret pour personne que le droit soude est violé à divers niveaux. Il est violé beaucoup d'institutions privées, par exemple, bon, c'est de grandes institutions qui recevront des centaines de monde chaque jour, mais qui n'ont pas bon interprète. Well, donc c'est ça, c'est une sorte de violation de droit. Les violer bon côté et institutions publiques et tout. Par exemple, des institutions publiques que pas besoin de citer, non, que nous connaissons, qui recevons un bon monde. Well, donc yo pas de interprète dans l'ensemble. Donc ça c'est son premier niveau. Donc en tant institution. Yo. Maintenant par rapport avec information qu'a véhiculé dans société, par exemple dans les médias, yo, par exemple dans sur réseaux sociaux, yo. Par exemple, dans des rencontres de conférences, de symposiums qu'a fait, well, récemment, ils ont invité non clôturé un projet qui concernait mon handicapé, mais ils n'ont pas pensé avec l'ANCSIM, ils n'ont pas pensé avec un interprète. Malheureusement pour moi, il y a pas 5 personnes sous là. Et malheureusement encore, bon, moi-même, c'est vraiment un signe. Donc, l'autre monde a parlé, eh bien, moi, interprété. Mais elle est moi-même intervenu parce que je suis un intervenant. Donc, mon studio vraiment pas gagné possibilité pour participer. Deuxième bagage, c'est que l'on prend par rapport avec condition de vie mon studio. C'est un bagage qui est vraiment lamentable. Par exemple, soit aller dans le camp l'évêque, ou après, par exemple, il y a plusieurs collègues qui ont écrit des articles sur le ça, soit aller. Et sous piste, dernièrement, on a un incendie qui était déclenché sous piste. Et c'est tout le temps, il y a pris l'amour et volé sous piste qui a envahi. Et tant que les gens disent bon, que les effets
cap envahi sous piste là, donc il y a pas de sécurité, donc wa pour condition que y a vivre pas de l'eau potable pour boire, il y a pas même bon côté descend pour dormir. Donc nous capable dire condition de vie moun sou, bien parler de droit moun sou en Haïti son bagage qui vraiment vraiment lamentable. Et me capable dire pour 2020 là mes amis, il y a pile en pile exemple côté que droit yo violé. Par exemple dans question gestion coronavirus là, donc il y a pas de gestion inclusive de coronavirus là. Dans question et information pour presque cap bayo, l'état a fait des adresses à la nation, que ce soit président, premier ministre et well, dont ensemble de officiels les a parlé, donc il y a pas tenu compte de mon studio. Donc on pensait c'était deux raisons ça qui fait la matière. Déjà c'est clôturer et campagne de sensibilisation ça qui était vraiment porté un succès énorme, parce que moun directement qui était participé, on t'a capable dire sensibiliser. Well, par exemple tu as plus de 50 de moun qui était by tête comme moun pour faire flyer avec nonyo avec affiche photo yo, etc. Deuxième niveau, tout réseau, parce que là moun nan font flyer, il peut partager dans le réseau. Donc par exemple sur WhatsApp, si chaque jour il y a 200 personnes qui lisent le statut, well, sur Facebook, sur Instagram, well, donc ça c'est un deuxième niveau de sensibilisation, donc les gens qui sont proches. Maintenant, l'autre monde qui a mis en mille, le partager. Donc c'était vraiment, vraiment intéressant. Et il y a des gens qui pas même travaillent dans le secteur, les challenges là, donc ils sont intéressés, ils disent c'est une bonne initiative. Donc, on va essayer, c'était le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'était faire un petit bilan sur la question de droit monsieur dans Haïti. Côté que nous avons des exemples dans la gestion Corona, dans le point de presse qui a fait, dans l'institution publique, dans l'institution privée, pas d'interprète. Donc, on va essayer, et c'est l'âme campée. Bien avant que nous prenions question, donc nous avons étudiants, son étudiant instituant, donc lui-même qui a participé dans la campagne là. Donc, il peut juste par point de vue, un petit témoignage, comment tu vives et événement ça. Bonjour. Je regrette à être du nom, je suis étudiant à IHLS, dans niveau 2 Kounia. Bon, plein de bagages, je vais dire, même après, c'est sur les social là qui c'est témoignage sur cette expérience à me faire. Premièrement, m'a dit m'a remercier monde qui prend initiative ça yo en pile, parce que m'a toujours répété ça, c'est pas connait qui mettait dans pile situation hier jeudi. Initiative ça permet monde yo éduquer yon gens quand même sous pas de gens penser à ça. Je t'ai expliqué là où est flyer, où est message qui t'est passé, il affecte aux gens quand même, et ou vinn sensibiliser côté vle ko pa vle, ou vinn sensibiliser pas gagne mentir ça. Et l'expérience a été vraiment permettre moi ouais que depuis on monde voulait goumer pour un bagage ou privé. Pour qui ça? Parce que sous un bagage ou voulait vraiment goumer pour lui. Ou voulait faire un message passer pour arriver quand on voulait faire pour prendre initiative quand même, parce que monde pas fait pour c'est ou pour faire. Donc initiative ça qui était prend, c'est une belle expérience pour moi, parce que lui permet moi ouais que m'a toujours continuer goumer pour moi-même, avec pour la communauté sud là, qui sont une communauté qui est vraiment importante pour moi. Il est temps d'après moi-même pour nous dans la société, pour tout le monde sentir inclus, pour bon en intégration totale. Je dis toujours ça. Si c'était vous-même, si c'était en famille, qui j'entends sentir vous? Vous avez dit là? Je suis vraiment, vraiment content de faire partie de l'initiative ça. Et je suis motivé, je dis même tout, pour faire partie de l'initiative ça. Je suis content tout. Et moi, pour remercier tout le monde, merci beaucoup. Ma frère Metel, ma Abdil, dans pile bagage, je vais dire, mais ma copine là. Merci beaucoup. Ok, et merci Robiane. Donc, je vais rappeler que Robiane, c'est étudiant instituant, mais une chose que j'ai dit, c'est que Robiane peut interpréter la musique en langue signe. Bon, malheureusement, nous n'avons pas de planifié pour ça, pour avoir une petite prestation. Et mais qu'on a été par exemple bien musique Mbakiya de Woody Woodboy et puis d'Aline Desca. Donc moi même pas connais, et puis son bonheur et bon collègue d'institution et qui c'est Jean-Yves Pierre qui parle là, qui partage la veine. Et puis qu'on a moi même ça vient susciter curiosité, mal regardé sur page Instagram, et puis me regarder mon bonne musique interprétée, musique Mbakiya,
de musique de Noël, musique évangélique. Donc c'est un jeune que nous vraiment apprécions, nous vraiment prenons. Donc nous va connait est-ce que il y a des questions pour nous capables de clôturer pour une presse, conférence de presse. OK. Campagne, ça va pas quel jour côté que nous avons en face sur droit monde. Donc 15 jours, oui, nous qui avait tout le monde dans challenge avec les réseaux sociaux et autres. Donc nous connait que généralement en Haïti on va garder un choix à tout le monde, on va prendre à cœur. Donc, qui ça, nous comptons faire nous-mêmes, pour même l'amour, ça, pour même faire continuer, ça, continuer. Et on va faire ça pour les continuer. Okay. En fait, ça, c'est la dernière activité pour l'année 2020. Mais nous avons un plan d'action que nous avons déjà travaillé là, qui est vraiment rempli. Par exemple, nous avons déjà annoncé. Par exemple, nous avons un concours plaidoyer que nous allons lancer, plaidoyer en langue signe. Donc, c'est vraiment intéressant, côté que de jeunes viennent discuter en langue signe. Well, par exemple, il y a un sujet là, une équipe qui compte et avortement, une équipe qui pour avortement. Et puis, chaque équipe a discuté en langue signe. Par exemple, ça a son activité. Par exemple, nous avons un atelier que nous allons ouvrir dans l'institut à Poumoun Soud. Parce que nous disons, pendant que nous avons fait promotion pour le il faut faciliter tout sur le plan socio-économique que nous avons. Par exemple, quelqu'un est posé céramique, quelqu'un est dépannage et téléphone, etc., etc. Donc, pendant que nous avons fait promotion dans le cinéma, à bon atelier et un projet un an, côté que justement, mon studio est capable de venir, les filles sont capables dans la culture, sont capables dans de l'autre bagage, peut-être qu'il y a 3 ou 4 ateliers. Donc, nous avons une bonne activité, que ce soit activité de sensibilisation, activité de plaidoyer, activité génératrice de revenus, que nous comptons faire pour l'année 2021. Bon, perspective, il y a un pile, parce que par rapport avec l'immensité problème, non, par rapport avec l'ampleur problème, non. Donc, nous avons des gens au CAI, Jacques Mel, Paul Le Père, qui ont pour nous. Nous disons que de manière à court terme, à moyen terme, c'est déjà étendre nous dans la zone métropolitaine. Là. Par exemple, il y a des gens qui sont graissiers, pas obligés de venir là. Il y a des gens qui font mat, pas obligés de venir là. Donc, surtout zone qui sont éloignées, il y a des gens qui croient des bouquets. Donc, c'est garder pour comment déjà à moyen terme, nous sommes capables d'ouvrir de l'autre service de proximité et pour les gens qui sont éloignés dans la zone métropolitaine. Et après, c'est continuer mobilisation, continuer promotion. Parce que c'est vrai, nous sommes institutions à but lucratif, mais nous avons un volet social tout, côté que nous avons fait promotion pour les gens, nous avons fait sensibilisation. Et puis après, c'est aller dans la ville professionnelle surtout, parce que pas de monde sous seulement dans Port-au-Prince. Well, donc, et surtout, les gens sous qui ont professé et puis délaissé. Parce que vraiment, pas de aucun service social, pas de en pile ONG, pas de en pile institution vraiment qui pense avec eux. Et je vais tout profiter et dire nous ça en primeur. Donc, 4e anniversaire institut, c'est pour 4 février. Donc, je vais essayer là d'inviter dans l'ensemble d'activités qui a bien pour 4 février. Merci. Merci.